Mais tu vas voir, c'est irrésistible. Ah oui, c'est irrésistible d'inviter un malheureux et se moquer de lui toute la soirée. Ah non. Ah non, c'est pas un malheureux, c'est un abruti. Oh. Mais quoi, c'est fait pour se moquer d'eux, les abrutis, justement. Ils sont là pour ça. Reste avec moi ce soir. C'est important pour moi qu'on reste ensemble. Oh, je t'en prie, Christine, je peux pas. Le type arrive à 8h. Avec les cons, c'est beaucoup plus instructif. Ça me semble moins objectif tout de même. Ah non, détrompez-vous. Il y a des cons qui sont terriblement objectifs. Tiens, j'en attends un d'une minute à l'autre, on peut pas se tromper. Alors, comment ça va, monsieur Pignon? Très bien, hein, je vous remercie. Ah, mais je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Très sympathique. Ah oui? Vous êtes fait mal? Quelque chose de cassé, là. Vous faites peine à voir, hein. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course, hein? Dites-lui que ma femme est rentrée et que tout va bien. Ah oui? Mais non, c'est ce qu'il faut lui dire! Pardon. Quant à lui, il s'appelle juste Leblanc. Ah oui, y a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Restez cette maîtresse sensuelle que j'imagine que vous êtes. Soyez porte-charter les champagnes, si vous voyez ce que je veux dire. Pignon, vous pouvez venir une seconde? Oui, oh, bonjour. Monsieur Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, monsieur Pignon? Bah, Marlène. Allez, là devant vous, Marlène. Ben oui, mais vous me dites, la folle va arriver, la folle va arriver, je vais une femme arriver. Je me dis, c'est elle. C'est la folle dingue. Mais de qui il parle, là? C'est pour parler, tu peux très bien aller au fond du couloir. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, qui?